du départ. Journée nationale de commémoration de la victoire et de la paix, hommage à tous les morts pour la France. Message de Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. C'était il y a un siècle. Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Thin, soldat de 2e classe et pupille de la nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du Chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse. Un de ces braves, un des poilus qui participa à une interminable guerre, un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire. Un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe.
La patrie, reconnaissante et unanime, s'incline respectueusement devant son cercueil, en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille, nuit et jour, sur la tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu du recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix, qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité en l'honneur du peuple de 14-18. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple de la nation. Il y entre en soldat des éparges, en écrivain et en porte-étendard de ceux de 14. Il y entre avec ses millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société, de la première ligne à l'arrière, mobilisée face à l'adversité et qui a tenu avec une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublions pas. Inlassablement, nous les honorons. Chaque 11 novembre, la nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leurs noms. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c'est tout un peuple, uni et solidaire, qui fit la guerre, qui la supporta et en triompha. Comme vient de nous demander de le rappeler Madame la Ministre, il y a un siècle, le soldat inconnu était inhumé sous l'Arc de Triomphe. Il y a un siècle, ici, à Givry, était érigé le monument aux morts au pied duquel nous nous rassemblons aujourd'hui. Comme l'indiquait le conseil municipal dans la délibération du 11 septembre 1919, Monsieur le maire a en effet invité le conseil municipal à décider s'il y a lieu d'élever un monument aux morts pour la patrie dans la commune de Givry. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, considère comme un devoir sacré le soin de commémorer le souvenir des enfants de la commune tombés au champ d'honneur. Décide qu'un monument sera élevé sur la place de la Liberté. Décide, en outre, que pour faire face à la dépense qui sera d'environ 25 000 francs, une souscription publique sera ouverte afin de compléter le crédit de 20 000 francs inscrit à cet effet au budget supplémentaire de 1919 et autorise Monsieur le maire à s'entendre avec Monsieur Changarnier, architecte de la commune, pour la préparation des plans et devis du dit monument. Comme chaque année, depuis un siècle, les Givrotines et les Givrotins se réunissent au pied de ce monument pour honorer la mémoire des 98 enfants de Givry qui sont tombés au champ d'honneur durant la Première Guerre mondiale, pour honorer la mémoire d'un fils, d'un mari, d'un père.
pour marquer leur attachement aux valeurs de la République et pour participer ainsi au devoir de mémoire. Les valeurs de la République, en cette commémoration du 11 novembre 2020, prennent une signification particulière face aux difficultés que traversent nos pays. Les valeurs de la République prennent une signification particulière face au contexte sécuritaire que traverse notre pays et nous conduisent à saluer les victimes du terrorisme, tant civiles que militaires. Les valeurs de la République prennent, en ce 11 novembre 2020, une signification particulière face au contexte sanitaire que connaît notre pays et qui nous conduisent à tenir cette cérémonie dans un format adapté, restreint, conformément aux instructions interministérielles. Ayons une pensée pour nos anciens combattants qui ne peuvent participer à cette cérémonie comme ils en ont l'habitude. Ayons une pensée pour nos concitoyens isolés et vulnérables dans ce contexte. Ayons une pensée pour les personnels soignants, pour les forces de sécurité, pour les bénévoles, pour les aidants qui œuvrent au service de leurs prochains. Ils servent ainsi les valeurs de la République. Ayons une pensée pour nos concitoyens qui sont confrontés à une inquiétude, pour nos commerçants qui sont confrontés à des difficultés, pour nos associations qui sont fragilisées et pour nos concitoyens qui sont confrontés à une certaine adversité. Les valeurs de la République nous rappellent la responsabilité et la solidarité. Saluons ces valeurs, respectons ces valeurs. Dépôt de gerbe. Mesdames, Messieurs, veuillez observer une minute de silence.
nationale. Messieurs, la cérémonie est finie. Merci bien.